Qu'est-ce qui se passe au-delà de l'écran? Qu'est-ce que c'est? Mais oui, vous la reconnaissez, Gigliola Cinquetti, la ravissante petite italienne qui a triomphé au Grand Prix de l'Eurovision. Et elle est venue à Paris avec papa, avec maman, avec la grande sœur. Oui, toute une famille italienne à Paris. Elle, c'est la grande sœur à gauche. Elle, c'est la vedette nouvelle. Elle, c'est la maman, Sarah. Et lui, c'est le papa tout content. C'est monsieur Luigi. Luigi, comme il se doit pour un Italien. Et voici donc qu'après avoir chanté « Non ho l'età »,« Je n'ai pas l'âge », c'était le titre de sa chanson, elle a voulu prouver à sa famille qu'elle avait l'âge de faire un voyage à Paris et regardez, de chanter à l'opéra. Oui, elle aurait pu chanter comme dans Le Petit Duc, on a l'âge du mariage quand on a l'âge de l'amour. 16 ans, 16 ans au Roméo, l'âge de Juliette. Elle en a de la chance. Et comme la voilà toute heureuse de découvrir les merveilles, les surprises et les amusements de Paris. Ah, mais je vous ai vu à la télévision, mademoiselle. Permettez-moi de vous offrir un petit marron de la part de Paris. Vous savez que Gigliola Cinquetti est venue spécialement chanter pour vous à la télévision dans l'émission Âge tendre et tête de bois et même dans les raisins verts. Chère mademoiselle, on vous souhaite un heureux voyage, d'heureux 16 ans à Paris. Et puis, on pourra dire, vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, mariez-vous maintenant.